Ça y est, ils arrivent. C'est vrai, ils arrivent alors. Ils arrivent? Fantastique, mon tout nouveau jeu est enfin prêt. Alors, accueillons nos tout premiers concurrents, Spirou et Fantasio. Ah, vive les vacances! Les vacances? Je te rappelle que nous sommes en reportage pour la chaîne de télévision Yersel. Oh, nous sommes aux Antilles, la compagnie nous fournit le voilier, les équipements, un salaire royal, que demander de plus? Bon, nous arrivons. L'île d'Orla. C'est là qu'on aurait entendu des chants de sirènes. Des sirènes? Oh, j'ai bien hâte de voir ça. Eh bien, ça alors, elles existent. Oh, je me sens déjà ensorcelé. Attachez-moi comme Ulysse avant que je ne succombe. Et si nous allions voir de plus près ces sirènes? Parfait. Ils se dirigent droit vers nous. Nous aurions plus notre invité parmi nous. Notre invité? Enfin, monsieur Yersel, quel honneur de vous rencontrer. Ah, notre célèbre journaliste, je suppose, madame Eugénia Scobby. Mademoiselle, monsieur Yersel. Enchantée. Il y a si longtemps que je rêvais d'interviewer le célèbre milliardaire Yersel. Quel scoop pour mes lecteurs. Permettez que je vous présente Rhys, mon ingénieur en chef, et Orangis, mon concepteur et chercheur d'idées. Ainsi donc, monsieur Yersel, vous explorez un nouveau concept de jeu télévisé pour le 21e siècle. Exact, mademoiselle Scobby. Et sur cet écran, vous voyez nos deux premiers candidats, Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio? Vous les connaissez? De réputation. Ce sont, paraît-il, de jeunes reporters intrépides. Intrépides. Et c'est bien pour ça que je les ai choisis. Fantasio, regarde! Spip, vite, viens ici! Votre jeu n'est-il pas un peu dangereux, monsieur Yersel? Extrêmement dangereux! Et c'est ça qui est merveilleux! Les jeux télévisés ordinaires sont aussi peu excitants! Cette île est un énorme studio de télévision et j'y ai créé le jeu ultime de la survie! Le peuple va adorer cette émission! Imaginez le taux des comptes! Monsieur Yersel, vous êtes un créateur mortel! Oh, j'en suis très honoré! Corsons maintenant un peu l'épreuve. Vire, Spirou, vire! Je n'y comprends rien. Un ventilateur géant qui sort de nulle part, des récifs qui poussent subitement de la mer. Grandiose! Orangis, vos idées sont grandioses, tellement grandioses que c'est un miracle qu'il n'ait pas été broyé. Cet événement aurait été considérablement prématuré. Prématuré? Les épreuves les plus dangereuses doivent évidemment figurer à la fin. Monsieur Yersel, les concurrents sont sur la plage. Oh! Ceci, mademoiselle, n'était qu'un avant-goût. Maintenant, le vrai jeu va commencer. Ah, ça semblait venir de par ici. Bizarre, j'ai l'impression qu'on nous observe. Oh! Une civilisation moderne. Le ciment est encore frais. Soyons prudents, Fantasio. Ah, pas un escalier, c'est un escalier. Ah, il y a pas d'ascenseur. Entrez, entrez, mes petits. Et maintenant, les dés sont jetés. Quel est ce bruit? Ça vient de là-haut.
contre la paroi. Non. Non. Eh ben, nous ne repartirons pas par là, en tout cas. Nous n'avons pas le choix. Il faut monter. C'est exact. Vous n'avez pas le choix. Après les dés, une petite partie de billard électrique. ...2767 marches. Ce n'est pas encore fini. Ah, je n'en crois pas mes yeux. Vous le croirez bientôt. Nom de nom, je rêve. Un labyrinthe. Tu crois pouvoir jouer Ariane? Ça mérite une photo. Que diriez-vous de vous en approcher? Bon voyage. Ah, 1000 points d'un coup. Jackpot. Ah, et ah, quelle descente. J'ai bien cru qu'elle ne finirait jamais. Je préfère encore les escaliers. Mon appareil, eh ben voilà. Personne ne nous croira maintenant. Ouais, tu as raison. Et personne ne croira ça non plus. Qu'est-ce que c'est? Le jeu des serpents et des échelles. Tout ça devient vraiment très bizarre. Enfin, nos concurrents vont participer au plus grand défi de tous les temps. Un toast s'impose. Je propose un toast à Monsieur Yarcel qui fera, j'en suis sûre, la couverture de notre prochain magazine. Oh, si vous insistez. Bien, je crois que nous devons jouer. Non, attends. Hein? Serpents et échelles avec de vrais serpents. Soyons prudents. On n'a aucune idée de ce qui se cache ici. Chaque case peut cacher un piège. Ah, raté. Mince. Mais la suite marche. Mais patron, ça c'est trop dangereux. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Enfin, un peu d'action. Faut que vous l'arrêtiez. Sauf qu'il peut. Quoi qu'il arrive, surtout continue à courir. Non, une roulette russe. Ça ne va plus du tout. Vous n'aviez pas prévu que les candidats pourraient courir? Ou encore grimper? Ils croient s'en tirer comme ça. Oh, il était temps. Ce reportage sur les sirènes n'était qu'un appât, c'est évident. Oui, une espèce de dingue s'amuse avec nous comme avec des jouets. Mm-hmm. Ce labyrinthe doit être truffé de pièges. Le mieux, c'est encore de se déplacer sur le faîte du mur. Oui, Speed, très bonne idée. Maintenant, un petit peu d'acrobatie. Je descends le premier. Allez, Fantasio, à ton tour. Je l'ai déjà dit et je le redis, je hais l'alpinisme. Et qu'est-ce que tu regardes? Ce gros rocher, tu vois, il m'intrigue. Allons-y. Oh, oh là-haut, oh, oh, oh. Mais ce n'est pas du jeu. Ils trichent, ils évitent des dizaines de pièges. Cela prouve que vos concurrents ne sont pas seulement intrépides, ils sont aussi très malins. Rassurez-vous, patron, il y aura des concurrents plus bêtes. Oh. Et qui leur a donné une corde, hein? Regardez ça, cet animal ne sert à rien. Rhys, Orogis, libérez-le. Mais, patron... C'est un ordre. Moi, je vais tâcher de ramener nos concurrents dans le jeu. Amateur. Ah, 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 ah.
bouge pas. Je te rejoins tout de suite. Est-ce que ça va, dis? Oui, mais je ne recommencerai pas. Le jeu recommence. Dites-moi, et s'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils ont? Quoi? Eh bien, c'est un jeu télévisé, et quand les concurrents gagnent, ils ont un grand prix. Oh, ce jeu, Mademoiselle Scobie, le grand prix, c'est leur vie. Mais il est complètement fou! Ça y est, tout fonctionne de nouveau. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Et maintenant? Essayons cette entrée. J'ai l'impression d'être le cobaye d'une expérience diabolique. Oh, je veux rentrer à la maison. Je suis bien de ton avis. J'en ai marre de tout ça. Et par-dessus tout, j'en ai marre de tourner en rond. Nous sommes dans le labyrinthe. Où allons-nous? Regarde sur le plan. Le plan? Je l'ai oublié. Quoi? On a oublié un détail. Gentil, le gros chat. Il est temps de passer à la chasse. Venez, Mademoiselle Scobie. Je peux localiser la position de tout être vivant dans le labyrinthe et m'amuser avec. Je veux dire, vos employés sont dans le labyrinthe. Oh, qu'ils se débrouillent. Ah, oh, t'as vu ça? Un regard et je lui ai fait peur. Ah oui? Eh bien, essaie de faire peur à ça. Ah, suivons la portée. Je vais les manger. C'est vraiment trop horrible. Continuez. Cette fois-ci, je vous ai. Oh, oh, coincé. Plongeons. Non, c'est rempli d'acide. Si nous plongeons, nous serons brûlés vifs. Brûlés vifs, manger vivant, moi, je vois pas une grande différence. Une seconde, je vais essayer. Oh! Regardez ce que vous avez fait! Filons tout de suite d'ici! Je suis désolée, on ne peut pas jouer tous les deux! Dis non, ça c'est mon jeu, il est à moi! Personne n'a le droit d'y toucher! Oh non! Non! Ouh, eh bien, bon débarras! Vite, tâchons de retrouver nos deux bons hommes. Ça va, on peut se reposer une minute. Je crois que nous avons semé la porte. Mon robot, pulvérisé après un seul essai. Mais, monsieur Yarcel, vous pouvez vous en acheter un autre. Je sais, mais c'était le dernier modèle avec cette couleur. Il faut absolument que je neutralise ces deux individus. Notre ami félin est bien trop proche à mon goût. Si on essayait cette porte.
ça alors. Regarde qui est là. Cette fois, vous ne nous échapperez pas. Je crois que nous avons droit à une explication. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Et dites-moi un peu qui se cache derrière tout ça. Ça, vous ne le saurez jamais. Lâchons Minos. Minos! Oh, oh, j'ai l'impression que les ennuis continuent. On vous souhaite bonne chance! Séparons-nous! Par ici, monsieur le taureau. Tu n'as pas envie de jouer avec moi? Toro, Toro! Hop! Olé! Olé! Oh, je ne te savais pas, torero. Eh ben, je crois qu'on peut entrer ici. Vite, avant qu'il ne revienne à lui. Tiens, tiens! Qu'est-ce que nous avons là? Alors, patron, la corrida, c'était une bonne idée, non? Une idée lumineuse! Ce taureau stupide leur a lui-même ouvert une porte de sortie! Le quoi encore? Ah, patron, ils sont au niveau des sous-sols. Alors, ils ont gagné? Ils ne peuvent pas gagner. Non, non et non, je déteste perdre. Fermons toutes les issues. Et nous voyons tout le niveau du sous-sol. Quoi? J'espère qu'ils n'ont pas oublié leur maillot de bain. Spiro, tu ne crois pas... Je ne crois pas que ce soit juste pour le nettoyage. Et avec toute l'électricité, on va se faire griller. Accroche-toi. L'eau a causé des courts-circuits irréparables. Mon œuvre est fichue. C'est affreux, tout est détruit. Et tout ça, c'est de votre faute. Je vous interdis de me parler sur ce ton, c'est compris? Vous n'êtes qu'un affreux monstre sadique. Personne ne peut tenir tête à Yorcel. Personne! Tout ceci a assez duré. Comment est-ce qu'on arrête cette machine infernale? Vous, ne touchez pas à ces boutons. Regarde, le niveau descend. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut, qu'est-ce que t'en dis? Très bien, mademoiselle Scobby. Vous m'avez contrarié. Et ça, mademoiselle, je ne le supporte pas. Arrêtez! Alors, c'est vous le maître d'œuvre de ce jeu stupide? Oui, c'est moi. Et sans mademoiselle, je me mêle de tout. Vous ne seriez jamais arrivé à ce stade du jeu. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de cartes? Allez, juste un petit poker. Je distribue. C'est un jeu truqué. Les cartes sont en acier. Ah, stupide. À vous de jouer. Riff, mon ami, cessons ce petit jeu-là, voulez-vous? Mes systèmes, mes circuits, vous avez tout noyé! Riff, je ne vous promets qu'une seule chose. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas! Je leur ai toujours dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Allons-nous-en, je crois que ces deux-là n'ont plus toute leur tête. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. En tout cas, elles sont pratiques, ces cartes. Voilà, maintenant, ils peuvent jouer tranquilles, jusqu'à l'arrivée des policiers. Mademoiselle, je ne sais comment vous remercier de votre aide précieuse. Facile, accordez-moi un entretien exclusif. C'est Cotine. Spiff. Contente de te revoir sain et sauf. Tu étais là depuis le début?
Je me suis faite passer pour une journaliste admiratrice, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Yersol est complètement fou. Appelons les gardes-côtes. Ils s'occuperont de Yersol et de sa bande. Dites dans le contrôle, vous avez vu tout ce qui nous est arrivé? J'ai tout vu. De quel équilibre vous avez fait preuve sur les murs du labyrinthe? Ah ah! À quoi servent les sirènes quand il y a ces cotines pour nous étonner? Mais pour Yersol, cette histoire finira en queue de poisson. Éliminé. J'ai dépassé le temps requis. Je suis éliminé. Oh, mes assistants. Allô, monsieur Yersol. C'est la troisième fois que vous vous faites prendre ici. C'est vrai, ça. Ah, ben, la prochaine fois, c'est moi qui gagne. Rêver.